De la Bretagne aux rives du Léman, un appel urgent s'élève. Libérez nos détenus kabyles. Sous un ciel indifférent, qu'ils soient éclatants de soleil ou chargés de pluie, ils avancent pas après pas. Leurs pas résonnent comme un hymne à la liberté, une ode à la résistance pacifique. Le 2 septembre dernier, Nassim Mohand Saïd, Lounès, Nadia, Ferhat et Amené, militants kabyles résidant en Europe, ont quitté le confort de leur foyer, laissant derrière eux leur famille et leur quotidien. Avec des dizaines d'autres, ils marchent inlassablement. Kilomètre après kilomètre, ils arpentent les routes de France, unissant leurs pas à ceux de leurs compatriotes pour dénoncer l'injustice insoutenable qui frappe leur peuple. Leur mission est claire: dénoncer l'arbitraire, les tortures et les condamnations infligées aux prisonniers politiques kabyles. Cette marche, bien plus qu'un simple acte de résistance, est un cri lancé vers le monde. Un cri désespéré, mais rempli d'espoir, qui demande l'intervention immédiate de l'ONU pour la libération de ces hommes et femmes injustement emprisonnés. En ligne de mire, l'article 87 bis du code pénal algérien, détourné pour étiqueter de terroriste toute forme de dissidence pacifique. Aujourd'hui, les chaînes répressives se resserrent en Algérie. Des centaines de kabyles, dont 38 condamnés à mort, croupissent derrière les barreaux simplement pour avoir osé parler, pour avoir réclamé la liberté. Ce sont des pères, des mères, des frères et sœurs, tous victimes d'un régime qui piétine leurs droits fondamentaux. Ces héros de la marche, sous la fatigue, le froid ou la chaleur, portent l'espoir d'un peuple tout entier. Vers Genève, leurs pas résonnent comme des battements de cœur. Ce sont des battements pour la liberté, pour la dignité. Ils marcheront jusqu'au siège de l'ONU avec la voix de ceux qui ne peuvent plus parler et un message adressé à la communauté internationale: ne restez pas indifférents aux violations massives des droits humains. À travers 880 km d'efforts, chaque pas est un coup porté à l'injustice. Chaque goutte de sueur, un symbole de courage. Leur visage, marqué par l'effort, reflète la détermination, tandis que leurs yeux brillent de cet espoir tenace qui survit même dans les ténèbres les plus épaisses. Leurs mots, empreints de simplicité et d'émotion, nous bouleversent, nous poussent à agir. Il nous rappelle que l'indifférence est une complicité silencieuse. À Genève, leurs voix porteront au cœur de l'ONU. Ils remettront un document lourd de sens, un appel vibrant pour la libération des prisonniers politiques kabyles. Ce n'est pas seulement une demande, mais un cri de justice. Il est temps que la communauté internationale réponde à cet appel. Il est temps de briser les chaînes de la répression. كنا السؤال يا ما قال لك ذي مدو كلنا مراه دسن في كفود اثنيه الحونة كاقي ذس ويس 13 كفودي قرزنا كاقمت يا قلع يدوين. Le 27 septembre, date symbolique, marquera leur arrivée au siège de l'ONU. Cette date est plus qu'un jalon dans leur marche. Elle commémore le dépôt, en 2017, du premier mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie et rend hommage aux martyrs kabyles tombés entre 1963 et 1965 pour la liberté. Devant Dieu et ses hommes, que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Aucun. Cette
soutenu par la population. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et hé, le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous. Il n'y a pas de Ramsès II. Il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Si l'armée française, dans son ensemble, la quatrième puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les quatre morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. La communauté kabyle d'Europe et d'ailleurs sera présente pour les accueillir. Un hommage sera également rendu à M. Ferhat Mehenni, président du MAC et du gouvernement kabyle en exil, avec la sortie d'un numéro spécial du magazine L'Indépendantiste kabyle. Ensemble, le 27 septembre, disons non à la répression des Kabyles. Soyons nombreux à accueillir nos héros. Portons haut la voix de la justice et de la liberté. La Kabylie a besoin de tous ses enfants. La liberté, la dignité et la justice dépendent de chacun d'entre nous. Libérer les prisonniers kabyles innocents incarcérés par l'injustice algérienne. Le 23e jour de la marche Bretagne-Genève, 880 km, toujours déterminé, toujours jusqu'au bout. C'est le 23e jour de la marche Bretagne-Genève, 880 km, toujours jusqu'au bout. C'est le 23e jour de la marche Bretagne-Genève, 880 km, toujours jusqu'au bout.